Des gens profitent pour parler au bien-aimé Kabonjo Alessa. Suis-moi très bien. Servante Micheline, ainsi que l'apôtre Feza Banjoko, je vous donne ce travail. Je sais, chaque fois que vous suivez les enseignements ensemble avec Papa Darius, allez-y voir Papa Kabundi Walesa de ma part. Qu'il arrête sa démarche. Elle est mauvaise. Qu'il arrête cette démarche d'amener Denis Lessi vers les instances. C'est violer la parole. Nous avons le juge des juges, c'est Dieu. Et nous avons l'avocat général, c'est Jésus. Amenez. Là, je parle en tant que juriste. Il y a un principe qui dit, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Faites un arrangement meilleur. Quand tu enseignes, tu dis, pardonnez autant de fois. Arrête ce que tu veux faire. J'ai suivi ce que tes enfants ont dit. Ton église, ça n'honore pas Dieu, s'il vous plaît. Pour ton honneur, retire la plainte. Qu'est-ce qui va arriver? Tu ne sais pas le danger. Kinshasa, c'est pour les gens de Bandundu. Ça sera une guerre entre les gens de Bandundu et les Kassaïens. Tu veux attiser le feu. C'est que les gens ne savent pas le dire. Moi, je le dis. Je suis l'homme qui aime dire la vérité. Tu es en train d'attiser le feu. Denis Lessi, c'est un Moussakata. Fais attention. Cet homme a beaucoup de gens derrière lui. Tu as aussi beaucoup de gens, mais on va t'affaiblir du fait d'être Kassaïen. Fais attention. Il faut voir loin. Ça sera la guerre. Dès lors, on verra Denis Lessi en prison. Du fait de le porter plainte, tout va changer. On dira parce que tu es quelqu'un qui est avec Félix et les gens de Bandundu vont s'élever. Ce sera la guerre entre les gens de Bandundu et les Kassaïens. Je n'ai pas dit ça. C'est Dieu qui me demande de t'en parler. Et arrête cette démarche au nom de Jésus-Christ. Église de Kabonjo Alessa, vous voulez disqualifier Kabonjo Alessa. À peine il arrive à Kinshasa, posez-vous la question d'où il vient. Cette grâce qu'il a eue, il ne faut pas qu'il perde cette grâce. Quand Dieu t'élève, tu vas vite, vite, sans regarder tous les contours. Attention. C'est le déclin. C'est le déclin. Il faut faire attention. Dieu te soumet au combat. Moi qui te parle, on m'a injurié, on m'a donné les noms d'oiseaux. Je n'ai jamais intenté une action en justice. Jésus n'a pas intenté une action en justice. Les disciples de Jésus n'ont pas intenté une action en justice. Tu vas te rabaisser pour rien. Les juristes qui sont dans l'église de Kabonjo Alessa, ne l'induisez pas en erreur. Papa Kabonjo Alessa, tous ceux-là qui t'acclament, demain, ce sont eux qui diront, on l'avait prévenu, il n'avait pas écouté, j'ai dit. Peuple de Dieu, nous allons prier pour ce pays. Nous allons prier aussi pour Papa Kabonjo Alessa et Denis Lessi,
qu'ils soient unis. C'est une honte, peuple de Dieu, pour l'Église. Voyez, les francs-maçons, ils ont des problèmes, ils ne s'amènent pas en justice. Dans l'Église catholique, il y a des problèmes sérieux entre abbés. Je faisais expressement d'aller dans leur structure, passer nuit. C'était une stratégie. Je parlais avec eux, j'en viens. Peuple de Dieu, dans l'Église catholique, il y a des problèmes sérieux. Il y a une opposition farouche contre Ambongo. Mais jamais ils mettent leur dossier sur la place publique. Voilà pourquoi Kabunjo Alessa, tu es évangéliste. Et comme tu es évangéliste, c'est ça ton ministère. Évangélique. L'évangéliste, c'est le casseur de pierre. Les cœurs de pierre, il faut les casser. Attention, j'ai suivi une vidéo là où toi-même tu disais, j'ai piégé, attention, avec le droit, qu'on ne t'induise pas en erreur. J'ai suivi ce que Denis Lessie a fait, a dit, ce que toi aussi tu as dit dans la salle. Si ton église ne sait pas t'aider, moi je t'aide. Et là nous allons prier pour toi et nous allons prier pour Denis Lessie. Prions pour ces deux hommes de Dieu. Bible, la Bible dit ceci, laissez-les tout croître. Laissez-les tout croître. C'est à la fin lui-même Dieu va juger qui était dans les normes et qui n'était pas dans les normes. Personne ne peut effacer les mauvais. La mauvaise herbe doit pousser. Même dans le champ, il y a toujours une mauvaise herbe. Dieu a dit, il y aura des faux prophètes, des faux pasteurs, des vrais, des ceci. Si tel est vrai, si tel est faux, personne n'est là pour mesurer la température de l'autre. L'église de Kabunjo Alessa, ça, vous ne l'aidez pas. Ça sera un problème Katangé Kassayen. Je vous dis, et plutôt, Katangé Kassayen, c'est comme une maladie. Hein? On dit quoi? Bandundu et Kassayen. Ça a frôlé la fois passée, Tshisekedi Fayulu. Maintenant, c'est toi qui vas ressusciter cela parce que Denis Lessie, c'est le créateur des mots. Il va créer le mot. Il a créé un mot pétage. Il va créer un autre mot et les gens lui donneront raison. Il a ses petits de confiance. Il fera de son mieux pour dire les Kassayens m'attaquent. Et ça sera chaud à Kinshasa. Ça sera un problème entre Kassayens et les gens de Bandundu. Comment ça a commencé ici? Katangé Kassayens. Il faut faire attention. En 1960, prions pour ces deux serviteurs et nous allons détruire cet esprit de ne pas se pardonner entre les hommes de Dieu. Refusons l'esprit qui les anime pour s'entre-accuser. Avec autorité, arrêtons cet esprit-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je refuse cet esprit qui anime Papa Kabunjo Alessa d'aller intenter une action en justice contre Denis Lessie. Touche Denis Lessie s'il faut qu'il demande pardon. Qu'il demande pardon et qu'il y ait un arrangement à l'amiable. Dieu de bonté, Dieu de justice, c'est l'heure d'opérer le miracle en faveur de deux. Pour qu'on n'attise pas le feu. Dieu, je recommande Papa Kabunjo Alessa. Fais quelque chose de grand en faveur de Kabunjo Alessa, en faveur de Denis Lessie, qui est la paix entre les deux. Qu'on ne puisse pas nous injurier, nous les hommes de Dieu, qu'on ne parle pas en mal des hommes de Dieu. Papa, tel est transformé, qui est la pitié entre les deux, qu'ils se pardonnent mutuellement, 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 qu'ils
se pardonnent mutuellement, qu'ils se pardonnent mutuellement, qu'ils se pardonnent mutuellement, qu'ils se pardonnent mutuellement, au nom de Jésus-Christ. Contre les églises.